premier jour d'école de Jojo. J'ai préparé son petit lunch. Trop content, trop mignon. Regardez cette petite boîte. Là, là, vous avez des biscuits. Trop mignon. Devinez dans quoi on est. On fait de la Rosalie. Conduis, conduis, conduis. Mais je conduis. Le sport de la fin des vacances pour éliminer tous les hamburgers. Ouais, bonne idée. Je sais pas où on va. En plus, il va, la pluie, elle va arriver. On va se faire tremper la gueule. Trop chou. That were keeping his friend from imagining him. So rather than waiting, he did the unimaginable. He sailed through unknown waters and faced many scary things. But what? It's a whale. But a tiny whale. Yeah, that's the baby and the mom. People can drive and there's ships in there. Mm-hmm. Yeah. But thinking about his friends gave him the courage to journey on until he reached the real world. Big boat. Big boat. Big boat. Big boat. Big boat. Mm-hmm. And tiny, tiny boat. Boat. Tiny boat. The real world was a strange place. No kids were eating cake. No one stopped to hear the music. And everyone needed nap time. Bien. Bonjour, comme vous avez vu aujourd'hui, on a une journée un petit peu chargée. C'était donc le retour de l'école pour Joël, ça y est. Il est dans sa nouvelle école, donc c'était assez marrant ce matin. Je l'ai emmené moi avec Blake, du coup on est allé dans l'école. Il était un peu paniqué, au moment de partir, il m'a fait un câlin, il était là, Laura, Laura, j'ai dit tout c'est bon, tout va bien. Et il est parti, après il a vu qu'il y avait des jeux et tout, donc il est parti, moi je me suis extirpée, Blake aussi, on est parti en mode secret, caché, machin, et ça a été. Et là ce soir je suis allée le chercher, et donc j'ai dit au prof que j'étais pas sa mère, que j'étais l'opère, alors là c'est parti en cacahuète, ils étaient là, hein, ah bah on peut pas, j'ai besoin d'une carte d'identité, parce qu'on sait pas qui vous êtes, nanana, je te... Fuck, le gamin il court dans mes bras déjà, je suis pas une étrangère. Et en plus c'est moi qui va venir le chercher tous les jours, enfin bon. Du coup ils ont pris ma carte d'identité, je sais pas ce qu'ils ont été faire, des photocopies, des machins, je sais pas, où ils ont été regardés dans leur registre ou j'en sais rien. Mais voilà, j'ai quand même réussi à ramener Joël à la maison. Mais voilà, apparemment Joël a passé une bonne journée, c'est une école super sympathique, il y a beaucoup d'enfants. Sa prof a l'air très gentille, enfin ses profs parce qu'il a une prof et une aide, une comment qu'on appelle ça, une assistante. Et donc voilà, elles ont l'air toutes les deux très gentilles, donc je pense que voilà, faut juste qu'on s'habitue
qu'on s'habitue quoi, que Joël il s'habitue surtout. Et donc comme vous avez vu aujourd'hui, on s'est un peu baladé avec Solène, du coup j'avais un peu de temps pour moi, parce que Jessica était à la maison donc elle s'occupait de Mackenzie. Et puis donc demain par contre, demain c'est grosse journée, j'emmène donc Joël à l'école et Mackenzie, il y a une porte ouverte à son école de 8h à 10h demain matin et du coup j'y vais avec Mackenzie, que toutes les deux. Et je pense que ça va être un peu plus compliqué parce que l'école de Mackenzie a l'air assez grande. Galère à comprendre. Genre, il y a deux campus, enfin, il y a au moins 150 élèves, que en comptant du CP à la au CE2. Donc, t'es là. D'accord. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Faut qu'on y soit pour 8h demain, donc faut qu'on se lève tôt. Donc, l'école a repris, quoi. Et, autre chose, c'est la dernière nuit de elle. Elle part demain. Demain soir, elle prend son avion à 21h. Donc, voilà, c'est sa dernière nuit ici. Je sais pas si elle est contente. Elle a plus de place dans sa valise. Elle a acheté trop de choses. Ça y est, je viens de déposer Solène à l'aéroport. Après une journée assez sympathique. En fait, aujourd'hui, j'ai pas mal travaillé. Parce que j'ai emmené Joël à l'école ce matin. Et ce matin, donc, Mackenzie, comme vous avez vu, elle avait une espèce de porte ouverte où elle rencontrait sa maîtresse, elle voyait sa classe et tout pour sa nouvelle école. Elle commence demain. Mais du coup, voilà, j'ai vu l'école aussi. Ils ont expliqué plein de trucs de comment les récupérer, les machins. Donc c'était cool. Et donc, Solène, comme ça, elle a pu voir. Enfin, non, ce matin, moi, pendant que moi, je devais me lever à 6h, elle s'est levée à 8h30 au calme. Elle est restée au lit. Mais après, là, cet après-midi, comme vous avez vu, on est allé au foot pour Joël et du coup elle était avec nous et tout, enfin voilà, je lui ai montré un peu ma journée typique d'ici et là bah je viens de la déposer à l'aéroport. Elle est partie, il est 19h pratiquement, son avion décolle à 21h, donc voilà, elle est là en avance pour être sûre d'avoir son avion et moi là je suis dans l'aéroport et il n'y a absolument personne parce que je suis en bas et il faut que je retrouve la voiture et je sais plus exactement où elle est, je vais me paumer. Et oui, je parlais du foot comme ça, mais c'était son premier cours de foot à Joël, donc j'avais jamais été encore. Donc il a une prof, une fille, et pour l'instant, c'est le seul élève. Je sais pas si la semaine prochaine, elle aura d'autres enfants ou pas. Donc voilà, mais je pense qu'il s'est bien amusé en vrai, il a pas arrêté de courir. Il m'a pas demandé une seule fois quand est-ce qu'on rentre, donc c'était cool. Je pense qu'il va aimer le foot. Voilà, ça c'est la première activité, parce qu'il va y avoir beaucoup d'activités, vous allez voir. On a fait tout un planning, ça va être galère. Ici, ça va être encore plus galère qu'en Californie, parce que les distances, elles sont grandes, entre les écoles, les activités, les machins, il y a tout le temps des bouchons, donc c'est grave la misère. Donc je vais être H24 dans la voiture, moi, vous allez voir. Mais bon, je vous expliquerai ça quand les activités commenceront officiellement, et que je serai un peu habituée à tout ça. Voilà. Je mets les prénoms dans les vêtements de Mackenzie. Je mets son nom et son prénom. Enfin, je mets son nom parce qu'il faut les mettre et que apparemment les enfants perdent tout. Bien évidemment. Donc je mets son nom. Voilà, c'est tout. C'est ma matinée. Sinon, j'ai fait donc la même chose avec les vêtements de Joël, parce qu'il fallait le faire aussi. Sinon, ça y est, la rentrée est faite. J'ai emmené... Blake a emmené Mackenzie ce matin à l'école pour son premier jour, donc je l'ai pas emmené, mais j'ai emmené Joël à l'école. Puis bah voilà quoi, l'école a commencé, ça y est. Ils sont à l'école, je suis tranquille jusqu'à 3h. Du coup, un peu avant 3h, parce que c'est pas comme en Californie, j'ai beaucoup de distance à faire pour aller les chercher. Donc il y a beaucoup de trafic surtout. Donc c'est très chiant. Donc j'ai un peu de moins de temps pour moi la journée. Mais bon, voilà, dans tous les cas, c'est toujours la même routine. Je les emmène, le matin, ça court dans tous les sens. Et une fois qu'ils sont à l'école, bah j'ai rien à faire. Donc du coup, ce matin, j'ai décidé de faire ça parce que il fallait faire ça. Il faut que je regarde de quoi ils ont besoin parce que Jessica, elle va racheter d'autres choses. Donc il faut que je lui donne une liste de choses dont ils ont besoin. Regardez ce lézard, vous le voyez juste là? Il est en train de muer. Il a la peau qui se barre. Yaaaak! Il est dégoûtant. Il est tout petit en plus. Ça dégoûte. Archie! Coucou! Oh
t'es trop chou. Voilà, ici en Floride, les chiens, ils jouent avec des branches de palmier. Tout à fait normal. En plus, ça l'éclate grave. Hein. What are you doing? Hey. Mais t'as pas remarqué que la branche, elle était énorme par rapport à ton corps? Bien, voilà la situation. Je vais chercher Mackenzie à l'école et là je suis en fait à l'intérieur de l'école. J'ai dû tout rouler tout le long, tout le tour, tout le machin, tout le tour. Et là je suis dans la file d'attente pour récupérer Mackenzie. Et genre il y a, je sais pas, il doit y avoir 1 km de file d'attente, j'en sais rien. Mais voilà, ça va être comme ça tous les jours apparemment. C'est encore pire qu'en Californie, ça va être génial. Ça va être chouette, ça y est, ça avance. Wouhou! Il y a carrément une dame là-bas qui fait la circulation. Il y a des flics sur la route qui font la circulation. Il y a des gens dans l'école qui font la circulation. Mais c'est genre une vraie ville cette école. En plus, tout à l'heure, elle me faisait rire, elle dansait, la dame. Mais ouais, ça a l'air d'être costaud, cette école. Oh! Picture, take a picture! Oh bah non! When did you do oh that? Oh my god, I don't want to. He doesn't want to go down? I want to. Then give me. I want to go home. Want to go home! I said if you want to go home! Ah, there you go. I'm just gonna hold it. But be careful, Archie's gonna have it. Oh, he's gone. Alors finalement, notre semaine, c'est un peu les mêmes qu'en Californie. Joël, il va à l'école que de lundi à jeudi. Donc le vendredi, il reste avec moi. Donc aujourd'hui, il reste avec moi. Donc ce matin, voilà, on a joué un petit peu, il a regardé un peu la télé. Et puis là, eh ben, on va aller au parc. On va aller jouer au parc et puis on va emmener Archie avec nous parce qu'il y a un parc spécial pour les chiens. Donc comme ça, il va pouvoir voir d'autres chiens. Puis ça va le faire sortir un peu. Parce que j'en peux plus de ce chien. Clairement, tous les matins, il est réveillé à 5h du mat. Et il jappe dans la maison à 5h du mat. Donc moi, je vous dis clairement, je vais pas tenir mes 9 mois à être réveillé tous les jours à 5h du mat. Ça va pas le faire parce que j'arrive pas à me rendormir après. Je vais clairement péter une durite, je vais tuer le chien quoi, c'est pas possible. Donc j'essaye le plus possible de le crever la journée. Genre aujourd'hui je vais pas le laisser dormir une seule fois, je te jure je vais le faire courir toute la journée. Hier j'ai essayé, l'autre fois je l'ai même fait courir à genre 21h30, j'étais dehors en train de le faire courir, jouer avec lui, mais ça n'a pas marché. Il pleurait quand même à 5h du mat. Donc on va essayer ça. Là on va aller au parc, on va aller jouer. Ready to go? Mm-hmm. Let's go. Bien, du coup on n'a pas vraiment pu aller se balader, jouer au parc et tout parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Donc on a réussi à aller au parc pour chiens. Donc Archie s'est fait un petit copain, il a joué un petit peu et puis après bah, il a plu donc on est rentré quoi parce que ça servait à rien donc tant pis c'était un peu foireux. Mais bon on a joué ici ce matin, là on a mangé et puis voilà, là ça va bientôt être l'heure d'aller faire la sieste pour Joël. Regardez, Jessica est rentrée et elle a fait du rangement et tout. Et elle a décoré les toilettes, trop mignon. C'est trop chou, elle a mis un petit tapis. C'est celui-là, il était dans ma salle de bain avant. Elle a mis une petite bougie. Et là, elle a mis un petit meuble avec une petite décoration et tout. Ça change. Je sais pas si vous vous souvenez, au tout début, quand je l'ai filmé, c'était vraiment, vraiment pas beau et ça faisait peur. Là, ça fait un peu plus mignon. Et là, ça se vide de plus en plus. On commence enfin à voir un peu plus clair. Il n'y a plus de carton là partout, parce que même quand Solène était là la semaine dernière, il y avait plein de cartons là. Donc ça se vide, et puis là, bah, je crois que c'est que des trucs à jeter. Donc voilà, ça se vide complètement. C'est cool. Oh, un porte-manteau, j'avais même pas vu qu'il était là. Et j'avais pas vu aussi, mais en haut des escaliers, elle a mis un petit meuble comme ça avec une petite plante. C'est trop mignon. Juste là dans le coin, c'est parfait, je pense. Alors, je vais vous montrer cette chose qu'on a, cette nouvelle chose dans notre cuisine, qui est en fait notre nouveau calendrier. Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais en Californie, on avait un calendrier qui était collé contre le frigo, et genre, elle écrivait dessus tous les mois. Et en fait, ce frigo-là n'est pas magnétique, donc le calendrier ne fonctionne pas, et on sait pas du tout où le mettre, il y a pas d'autre endroit que ça, le four, c'est pas possible, enfin, on sait pas où le mettre. Du coup, ben, ils ont acheté cette chose, qui va finalement être beaucoup plus simple pour nous, parce qu'on va pouvoir nous-mêmes modifier avec nos portables, et donc voilà, quoi, donc ça se présente à peu près pareil, qu'aujourd'hui, on est le 24, et Jessica, elle est off.
voilà, elle est off demain aussi, ça veut dire qu'elle travaille pas, hein. Donc là elle travaille 24 heures, là elle est en poste je sais pas quoi, Joël il a foot. Enfin, voilà, c'est un peu la même chose, là voilà, il y a une open house, ok, Mackenzie elle commence le cheval, tout ça, la bordée, ça c'est un jour férié. Ouais voilà quoi, c'est plutôt cool, je pense que ça va bien fonctionner et puis je vais pouvoir moi-même le modifier s'il y a un truc qui change ou pas. Et Blake aussi et Jessica aussi, du coup je pense que c'est pas mal cette chose. But then there was no unicorn, so they traveled 2 miles away from the barn. Aujourd'hui, c'est officiellement le début du foot. Tous les matchs de football américain reprennent aujourd'hui. Les matchs des universités apparemment. Enfin, j'ai pas tout compris. Il dit college game. Donc college, quoi, c'est l'université. Donc en fait, ça me paraît vraiment bizarre qu'il y ait les matchs des universités qui passent à la télé. C'est chaud. Enfin bref. Du coup, Blake est devant la télé. Il est actuellement à 22h30. La télé est toujours allumée et il est en bas et il est en train de... pas de crier, mais d'exprimer sa joie très fortement quand il y a un but. Le truc, c'est que maintenant, je ne suis pas en haut, je suis en bas. Donc j'entends tout ce qui se passe en bas. Donc clairement, la télé, elle est... Je sais pas si vous l'entendez là, mais... Enfin, je peux pas dormir, quoi. Du coup, il est 22h30 et j'attends un peu qu'il aille se coucher avant de pouvoir me coucher aussi. Voilà. Et donc cette saison-là, la saison du foot, elle dure jusqu'à au moins tout septembre, je crois. Octobre. Je crois que ça termine en octobre. Je sais plus quand est-ce qu'il avait arrêté l'année dernière. Mais ouais, c'est tous les jours, quoi. Hey, regardez ce que Blake vient de m'installer ce matin. Il m'a installé ma télé. Donc elle est assez grosse quand même, donc il l'a mis sur ce meuble. Donc de mon lit, bon ça va, de mon lit ça fait pas très gros, hein. Ça fait moins gros que celle que j'avais avant. Le seul truc un peu problématique déjà c'est que ça me prend de la place, donc là, tout mon bordel là, je sais plus trop où je vais le mettre, faut que j'arrange un peu ça. Et surtout que ça me cache mon miroir. Donc je n'ai plus de miroir, voilà quoi. Déjà que je me voyais pas en entière dans le miroir, là c'est encore pire. Donc j'ai aucun miroir où je peux me voir de la tête aux pieds, c'est génial. Je vais trouver un moyen, je pense que je vais décaler, je sais pas comment je vais faire mais... Mais voilà. Et apparemment ça a l'air de marcher et je vais regarder Bachelor in Paradise parce que j'adore cette émission. C'est la suite de Bachelor avec tous les bachelors qui reviennent et du coup qui... des histoires d'amour quoi. Et je trouve ça cool. Voilà. Mais je suis contente, une petite télé. Voilà. Finalement voilà ce que j'ai fait, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé. J'ai tout simplement décalé le meuble sur le côté, comme ça je peux encore me voir dans la glace quand je me mets en face. Et puis le meuble est un peu plus en face de moi. Je trouve que c'est pas très beau, c'est sûr, ça fait pas très harmonieux, c'est pas tout aligné et tout, mais bon, voilà. Hein. S'il m'offre pas de miroir de pied à coller, je sais pas, contre ma porte ou quelque part, ben j'ai pas le choix quoi. Mais bon voilà, ça va faire l'affaire. Hein.